Dans notre série de musique à la maison, on n'a jamais mis de femme compositrice. Alors aujourd'hui, je vous propose Clara Schumann, qui était la fille du professeur de piano de Schumann, ensuite devenue sa femme, la probablement une des plus grandes pianistes du 19e siècle. Sûrement, son nom figurait parmi les quatre meilleurs pianistes de son temps. C'était la seule femme à côté de tous les hommes. Je vais vous jouer la deuxième romance tirée de son recueil de trois romances, qui sont la dernière œuvre composée par Clara Schumann pour piano. Après la mort de son mari, Robert Schumann, Clara a décidé d'arrêter de composer et de se dédier à la divulgation de l'œuvre de son mari et après celle de Johannes Brahms, avec lequel elle était liée d'une amitié très profonde. C'est de la musique très romantique. On peut entrevoir dans cette pièce quelques influences du monde fantastique de Schumann, mais si on regarde d'autres pièces de Clara, elle avait tout à fait son autonomie et son style personnel, qui était celui du romantisme. Alors, cette pièce, c'est une petite pièce assez fantasque, assez rêveuse, très délicate, qui nous ouvre des mondes un peu féeriques et lointains. J'espère que vous allez aimer.